le jardin de ma mère. Il m'en souvient. Luxuriant fouillis végétal, une belle lumière effervescente y fourmillait sur les fleurs et les feuilles. Une pluie drue de lumière envahissante et qui noie les formes dans l'espace. De l'infini à l'incessant, un flamboiement de particules versicolores, des myriades de touches diaprées, foisonnant comme des clins. Tous les peintres avaient pris un grand bol d'air. Sur leur toile avaient germé des semis de lumière. Leurs œuvres étaient souvent comme des jonchées de fleurs. Le jardin de ma mère, ah, qu'il soit le très pur hommage de mes jeunes années au maître de la couleur atmosphérique et divisée. Quand le printemps à ma boutonnière et sur ma palette posée sa touche sentimentale. Puis Paul Cézanne. Paul Cézanne planta dans mes surfaces à peindre l'outil de sa géométrie dynamique. Paul Cézanne, comme un surgeon des bâtisseurs de pyramides et des romanes cathédrales. Droiture de l'espace, l'évidence d'un colosse parmi les piliers du temple au parvis des temps nouveaux.